Soyez la bienvenue ce matin dans le nom de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui a dit, « Mot content, trouve-toi dans la présence. » Mon Dieu, c'est pour vous. On a dit, « Mot content, trouve-toi dans la présence. » Amen. Amen, amen, amen. Et que Dieu vous bénisse. Et merci pour cette parole de sagesse concernant Potable. Dieu bénit aussi le serviteur de Dieu. Et ce qui aujourd'hui, c'est que, et avant qu'il vous passe à la parole de Dieu, moi, tu as envie de garder un petit affaire. Amen. Un petit coup d'affaire, pas une affaire qui est importante. Je crois que nous, ma serviteur de Dieu, nous avons dit l'église. Amen. Je crois que nous, ma serviteur de Dieu, nous avons expliqué un nom de foi, sans la crainte ni rien, mais nous capables aussi de mettre l'église sur la bonne rail. Vous êtes d'accord avec Amen. Moi? Et ce matin, avant la parole de Dieu, moi, tu as envie de causer un petit peu. En général, à l'église, écoute moi dans la parole de Dieu. Ouais. Et je connais que sa dernière temps là, on tient le monde et la ma fausse doctrine qui peut arriver. Il existait. Parce que Jésus vient dire que le dernier temps, il y a une petite chose qui peut arriver. Et fait, ce qui vaut bien envie aujourd'hui, explique c'est que sa ma fausse doctrine là, il commence à épanouir qui peut arriver. Mais l'église nous faisait être dans la sécurité, nous faisait dans la sécurité. Parmi ma fausse doctrine qui est là, il y a des fois, il y a ma fausse parole qui peut être dit, il y a ma petite chose qui peut être fait. Mais il y a beaucoup de petites choses qui peuvent arriver ces derniers temps. Nous avons dit une vague. Quand le diable a voulu une certaine affaire, il a voulu comme une vague. Il a voulu entier le monde. C'est ma stratégie qui travaille. Et parmi la danse, ma stratégie qui travaille, nous avons averti l'église, c'est que le diable peut mettre pas devant, il peut mettre plutôt en phase l'homme en serviteur mondial dans la place mondiale. Tu peux comprendre, hein? Mais toi, un serviteur mondial, il vient ouvrir sur la porte. Vous êtes sur la Bible, faire l'immune assisée, de ni un trône ni assisée. Ce sont des choses qui peuvent arriver mondiales. Et qui peuvent arriver aussi qu'il y a des fois qu'une petite chose affectée, une petite chose mondiale, il y a aussi affecté notre pays. Maintenant, nous trouvons que 10 mouns pour venir l'église, il faut dire qu'un 10 mouns soit déo, venir. Vous savez, comprends-moi, c'est une petite chose qui est arrivée. Maintenant, commence maintenant, élève mon homme de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, il prend, il est remplacé par mon homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu dit une affaire, si pas mal d'être pour être béni, maintenant prends ça comme dire la parole de Dieu. Mais la parole reste là, la parole. Et il y a pourtant qui m'a averti l'église, qui fait beaucoup attention, jamais nous donne l'emphase, l'eau un homme, soit une femme ou quelque part. Mais c'est Dieu qui vient au centre de toutes les choses. Amen. Et aujourd'hui, nous pensons à l'église, que l'église, quand nous étions, qui que ce soit, mon pour dire, mon pas pour dire, si parler mon médecin 16, mon manteau là, mon pour dire, c'est Jésus-Christ qui est à la tête de cette église. Pour toujours, ce qu'il y retourner. Amen. Nous, maintenant, c'est un de Dieu, nous travaillons. Nous, là, il y a un responsable qui l'a Dieu filmé, mais c'est Jésus-Christ. Nous, non, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui nous honore au milieu de nous. Amen. Amen. Et dans deux fois que quelque part aussi, mon père, on est porté à des affaires, frère, mais qui fait obéir à nous ça, Dieu nous bise à quelque part, comme un délire, nous bise à être vigilant. Amen. Qui personne ne peut faire aucun homme de Dieu vient ni Dieu dans sa vie. Amen. Et aujourd'hui, quelque part, moi, j'ai envie aussi d'expliquer ça dans quelque chose. Et ça, c'est arrivé aussi au temps des actes des apôtres. Amen. Tenant une fille esclave qui te fait mort devant Paul et Silas. Et je connais qui te fait dire Paul et Silas. Il te fait dire moi, voici mon serviteur de Dieu. Je lui annonce la voix de la vérité. Il continue. Ce qu'un jour, Paul lui a dit, hé, esprit de Python. Amen. Qu'est-ce que cet esprit y fait? Il glorifie l'homme au lieu de Dieu. Get frère, mais maintenant, on a eu de mal là-dedans. Elle indique un peu comme ça, hey, c'est un serviteur bon Dieu, un serviteur bon Dieu. Maintenant, on a eu de mal là-dedans. Non. Bon, vous expliquez, du moment Paul finit ici, ça, du moment le serviteur de Dieu vient avant bon Dieu. Vous avez compris moi? Qu'il n'y a aucun homme va être glorifié au milieu de nous, que Jésus seul est capable d'être glorifié. Donc, tu sais, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Maintenant, il commence à dire, mon bien envie aujourd'hui, dire des trois petites affaires avant de terminer. Il est important de savoir que faire beaucoup attention à ma fausse doctrine. Ça m'a dit, moi, qui donne ça ma fausse doctrine, elle a une conséquence à payer. Faire attention beaucoup, ça vient avec ma fausse prophétie. Pour y avoir beaucoup de mal fausse prophétie, pour y avoir beaucoup de mal petites choses qui pour glorifier l'homme, pour dire, faire beaucoup attention parce que pourquoi? Du moment où il y a mal fausse prophétie, il me dit, bon, Dieu nous a averti. Un dimon, quand il donne une fausse prophétie, il y a une conséquence. Hein. À cause de ça, faire beaucoup attention. Quand il est écrit, faire beaucoup attention. Quand te donne une petite chose, quand te dit, voici ce qui bon Dieu veut dire, non, appelle ça qui vous paye. Dire, vous pouvez parler du nom de l'Éternel en vain. Amen. Les 10 commandements indiens, tu ne parleras pas
au nom de l'Éternel en vain. De pas plus servir le nom de l'Éternel en vain. Et aujourd'hui, qui la crainte de l'Éternel, ils vont dans une équipe, peuple de Dieu. Amen. Pas glorifier aucun homme. Pour moi, frère, ou un acquitteur pour dire oui, moi, il y a une affaire pour dire. Mon capable, trouve-moi dans la peau de Paul. Pardonne-moi, mon capable. Bon, pas Paul, hein. Je suis loin de là. Ça contient persécution, quelque chose qui lui passait là, je suis loin de là. Mais mon vie aujourd'hui, attribuer une affaire avec Paul. Paul, maintenant, il y a quelqu'un qui appelle un prophète Agabus. Il rentre, dans le lieu. Il dit comme ça, celui qui peut s'appartenir à sa ceinture, cette ceinture, tu appartiens à Paul. Pour que tu as cela, mais celui qui est pour être livré pareil. Maintenant, j'ai Paul, pas faire ça. Paul, tu as comme cela, quelque chose. Guetter qui se t'envie, tu as moi, je vais la chaîne pour dire. Causer, pas causer, d'une prophétie, nous gagne ce qui tue l'appel de nous faire. Et nous pouvons accomplir. Et aujourd'hui, il est important de savoir, peuple de Dieu, pas glorifier aucun homme au milieu de toi. Qui cela vient être fait, beaucoup stempli, et beaucoup pour envie de tout le temps comme ça. Sinon, pour glorifier, glorifier Jésus-Christ. Frère, qui on gagne mal levé, on compte même bien levé quand même. Moi, super bien levé, mais moi, j'ai envie aujourd'hui, pas de la gloire à personne. Amen. Qui les choses, faire beaucoup attention à ma fausse doctrine. Des fausses doctrines. Là, vous avez le temps, veillez, priez, pas oublier. Sache que les derniers temps, les temps sont dit, ça m'a un moment même qui nous a pris veiller là. Quand vous plivez ou la casse, quand c'est comme la scène? Quand? Classe 3. Moi, je finis de veiller à peut-être la scène, même moi. Ouais, moi, là, c'est boîte sordide, moi, là, c'est tout à fait. Parce que dans nous disons, on a une habitude, on a fini pour en précaution avant que tout ça arrive. Ferme-la, guette un bouton, je suis un soin, tu sais pas qui était, tes affaires. Pour précaution, classe 1 même, ce boîte en classe 4 trop tard. Nous sommes pas connus qui classe, on va aller dire non, mais prends précaution. Amen. Vous êtes la même? Le cas t'appelle un ami pour le Seigneur, pas ça pour moi, travaille un ami pour le Seigneur. C'est bon? Quelqu'un qui a un dernier mot content tout le temps dans la parole de Dieu. C'était pas le titre de mon message. C'était pas le titre de notre message. Amen. Le livre de 2 Samuel, le chapitre 16. Tu connais qui fait un dire de ça? Nous veille à la prunelle. Amen. Bout en bout de la vie. Et nous n'aimons désir que chacun d'entre eux devienne le ciel avec nous. Sème tout. Et la seule chose qui, moi, je te pose moi une question, mais frère, qui a envie d'entendre? Et la seule affaire qui a envie d'entendre? Viens bon et fidèle serviteur. Amen. En donnant joie de ton maître. Sème tout, mon envie d'entendre. 2 Samuel, chapitre 16, de verset 1 à 4. Et 2 Samuel, chapitre 19. Amen. Nous pourrons toucher un petit sujet aujourd'hui. Et vous avez envie que quelque part, et prendre un petit peu technique comme en soi, et puis nous pourrons dans le thème de notre message. Amen. Vous filmez tout le projecteur de cas suivi facilement. Et le livre de 2 Samuel, chapitre 16. Pas qu'un tracas, mais vous explique l'histoire bout en bout, vous êtes capable de comprendre. Amen. 2 Samuel, chapitre 16, de versets 1 à 4. Amen. Je fais la lecture. Vous avez gagné? Lorsque David eut un peu et dépassé le sommet, voici Siba, serviteur de Méchibosheth, vint au devant de lui avec deux ânes battés et sur laquelle il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 fruits d'été et outre de vin. Et le roi dit à Siba, que veux faire que tu fasses cela? Et Siba répondit, les ânes serviront de monture à la maison de mon roi, le pain et les fruits d'été sont pour nourriture des jeunes gens et le vin pour désaltérer ceux qui sont fatigués dans le désert. Le roi dit, où est le fils de ton maître? Et Siba répondit et au roi, voici, il a resté à Jérusalem car il a dit, aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Le livre de 2 Samuel, chapitre 19, le verset 24 à 30. Manque un peu de lumière, hein? Grand merci, nous pouvons vous aider bientôt. Et toi, on va vous aider bientôt. Amen. Amen. On rentre dans la lumière, en plus. 2 Samuel 19, verset 24. Vous avez gagné? Mephibosheth, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait la barbe, ni lavé ses vêtements depuis le jour où le roi s'en est allé jusqu'à celui qui revenait en paix. Lorsqu'il se rendit au devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit, « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méchibosheth ?» Et il répondit, « Ô roi, mon seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton seigneur, qui est boiteux, avait dit, « Je ferai sceller mon âne, je monterai et j'irai avec le roi. » Il a
Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon roi, de mon seigneur, mon roi. Mais mon seigneur, le roi, est comme un ange de Dieu. Fais ce qui était semblable. Quand tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi, mon seigneur. Et cependant, tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Quel droit puis-je encore avoir et qu'ai-je à demander au roi? Le roi lui dit, à quoi tu bons ces paroles? Je l'ai déclaré, toi et Siba, vous partagerez les terres. Et Mephibosheth dit au roi qu'il prenne même le tout, puisque le roi, mon seigneur, rentre en paix dans sa maison. Et on va dire Dieu merci ce matin. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, moi les louer toi, papa. Moi les louer de Saint-Nom, glorifier de Saint-Nom, papa. Moi dire toi merci. Bénis chacun d'entre nous qui a de ta présence. Moi glorifier toi, papa. Et moi dire toi merci pour la vie, pour de la grâce et de l'amour et de bonté. Seigneur, moi louer toi. Bénis ton peuple qui l'a, Seigneur. De ce fil béni, moi dans ta présence, Seigneur Dieu. Moi les louer toi, papa, et moi les glorifier toi. Sans toi, nous pas capables de faire rien. Moi, applique le sang de Jésus-Christ dans la vie de chacun d'entre nous. Et vous les louez, toi. Holy Spirit of God, you are welcome in this place. Et vous les louez, toi, te prends contrôle dans toute chose. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous dis, Amen. Mon compte en fait. Vos amis, nous vous êtes les guerres. Vous priez, vous autres. Abba, papa, ce matin, on met ton peuple devant toi, papa, qui te fait payer un grand prix, vous êtes. Seigneur, le désir de notre cœur, c'est qu'il nous trouve de grandir, de t'arriver à la maturité. Et aujourd'hui, Seigneur, dans ta présence, bénis-le, grandis-le, Seigneur Dieu. Mon couvert-le par le sang de Jésus-Christ. Tout mon esprit de lourdeur, de la distraction. Ma puissance satanique de sommeil, mon lit et moi tassé. Et aujourd'hui, papa, qui ton peuple pour recevoir l'instruction qui toi te fin réservée pour eux. Papa, bénis-le, Seigneur Dieu, qui se calme, progresser, grandis pour te la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te disons, Amen. T'as l'air, vous titrez le titre de notre message. Le bédéma frère, mais donc, qui vous prêchez aujourd'hui, qui paraît un petit peu drôle, mais nous pas pour qu'à comprendre, tant nous pas comprendre l'histoire, comme nous pouvons l'aller. Amen. Nous comprenons l'histoire. Qu'est-ce que vous avez dit, nous comprenons l'histoire. Bon, interagissez avec moi, adressez avec moi. Amen. Vous êtes amen? Amen. Amen. Vous êtes capable de prendre l'autre, sinon vous êtes capable, quelque part, garder dans la tête, mais vous pouvez mettre point pour point, nous aller. Cette histoire-là arrivait quand David était sorti du palais, était sorti puis allait de Jérusalem, parce que c'était la rébellion qui Absalom a fait monter. Amen. Deuxième, c'est un serviteur qui s'appelle Siba. Siba, Tinbini, Finzuen, David, pour situer les autres, pour que l'histoire aide, vous êtes capable de comprendre. Qui était Siba? Siba était le serviteur de Mephibosheth, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9. Qui était Mephibosheth? Était le garçon de Jonathan. Et Jonathan était le fils de Saül. Vous avez compris moi là? Ok. Bon, bon, pas faire trop vite là, c'est bon? Ok. Good. Était le fils de Saül. Maintenant, David, car à l'époque qui Saül, tu peux retourner David là, tu promets à Jonathan. Et tu dis à Jonathan, comme ça, tu connais, et à cause de tellement compte en moi, pour préserver ta génération qui est là. Maintenant, tu arrives à un certain moment quand David finalement est sorti du pays d'Israël, il finit rentre en bataille et quelque part, nous finit trouve aussi que tiennant et Saül et Jonathan qui sont décédés ça jour là, tiennant et un serviteur, un servant qui t'y peut prendre Mephibosheth et quelque part quand il donne la nouvelle que le papa de Mephibosheth est Saül fin mort. Il fit prendre ses enfants-là, il galopait finalement, il maillait, il tombait, ses enfants-là, il perdit ce délicat. C'est Mephibosheth. Ok, c'est bon? Amen. Tout cela finit clair dans cette vie. Maintenant, David vient faire du bien à Mephibosheth, et quelque part, il vient dire moi que vous pouvez manger à la table. Tout le temps, il vient manger à la table de David. Amen. Maintenant, David, quand il peut aller, quand il peut retourner maintenant, quand il peut retourner, Lévin trouve quelque chose qui vient d'arriver, c'est que, pardon, restituez-moi un petit coup. David, quand il parlait, c'était Siba qui vient en Béli. Et il a dit comme cela, et que Mephibosheth, pas féro de Béli, parce qu'il, quelque part, il dit comme ça, il dit bon qu'il est roi, qui allait au carré, rien de quelque chose qui appartenait à mon grand-père. Ok? Là, les rois viennent dire à Siba, prends tout quelque chose pour toi. Maintenant, les rois finalement, est-ce que quand il arrive le 2 Samuel 19, quand les rois veulent retourner, amen, moi un petit peu technique pour commencer, mais seulement suivez-moi, quand ils veulent retourner, Mephibosheth vient de Zouenni.
Quand Mephibosheth fait mille ennemis, il fait une demi sauvation. Quand il fait une demi sauvation, il fait expliquer qu'il arrivait. Là, il fait dire comme ça, mais il ne peut pas sur la bord, ni sur Manzon, ni non. Il fait expliquer, il fait dire comme cela. Mais au fait, ça, serviteur Sibala, il fait calomnier moi, il fait quelque part, on va dire, et il reprend tout mon man affaire. Là, David fait dire à Mephibosheth, c'est qui tu es dans la porte avec toi, Siba, avec Mephibosheth. Vous avez compris moi là? Amen. Non. Frère, mais continuez vous d'aller avec cela. Maintenant, il y a une petite chose qui vous fait envie aujourd'hui, Jésus. Vous pouvez mettre le titre de notre message. Mais nous allons prendre une petite chose de David. Vous récitez les histoires. David, suis-moi. David peut sortir qui allait. Un qui can vient de l'Italie, il prend tout poulet. Quand il peut retourner, l'autre qui can vient de l'Italie comme ça. Mais le plan, il passe la côte, il fait comme ça. Il dit à moi, mais qu'est-ce que ça porte ensemble avec ce dé, qu'est-ce que ça peut faire. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Avant, je vous titrer le message, je vous titrer dans quelques secondes, mais mon envie aujourd'hui, je comprends une petite chose. Premièrement, ce n'est pas un message qui vous fait nous une égoïste. Ok? Il n'y a pas un message qui fait nous une égoïste. Deuxièmement, faudrait je comprends que c'est un message pour aider nous pour comprendre. Pour aider nous pour comprendre. Dieu m'a mis une balance. Amen. Maintenant, moi, pour expliquer cette édition, je titre mes messages maintenant pour mettre là-bas. Et le titre de notre message, je vais dire moi qui m'en de là-bas, je vous faire un petit peu rire, arrête de te donner dans un affaire du monde. Bon, reviens. Arrête de te donner dans un affaire du monde. Ça fait bien moi? Ça me choque là. Allez, mets-toi dans ma délit. Arrête de te donner dans un affaire du monde. Non, je ne banquette pas comme je dis. D'aller arrêter de te néné dans un fait du monde. Amen. Le livre de Proverbes 30, verset 33. Nouvelle livre. Bon, vous basez-moi sur la parole avant moi de la mort. Je ne peux pas comprendre l'histoire de Mephibosheth, de Jonathan. Maintenant, quand je vais l'expliquer, je vais le comprendre. Côte du Pérou d'Asie. Le livre de Proverbes 30, verset 33. Vous avez gagné? Regarde ce qu'il dit. Car la pression du nez produit de la crème. Mmh. Vous êtes d'accord avec moi? Et la pression du nez produit du sang. Quand tu pèses ton nez, il produit du sang. Mais quand tu mets ton nez dans des affaires qui parlent ainsi, il produit du sang. Eh bien, vous avez trouvé un nez coincé dans une affaire? Par école. Et nous voulons aujourd'hui expliquer un guiseur. Tiens, je vais vous expliquer. Beaucoup de fois, quand quelqu'un dit comme ça, frère, nous, Dieu permet de me dire aujourd'hui, je grandis au milieu d'une génération. Je descends de Dieu n'a pas de moi la grâce, je code de nouvelle génération, et que ce portable et tout ce monde a fait. Madame, on a trouvé moi situé bien, et que l'ancienne génération est une nouvelle génération. Et à cause de ça, qui me trouve moi bien placé, je vais expliquer beaucoup de choses. Je connais l'ancien monde, je connais des pénins courants pendant 3 semaines, d'aller au Hollanda, je connais des cyclones, je connais que mauvais des autres. Je connais que ça a été mon petit peu d'hiver. Je connais comment à l'école, peinant, maman, dernier mois, puis gratte d'hiver, on se peut mettre dans le pain. Moi, à l'école, je connais, je me mets popis dans le pain, je me mange. Ah, je connais qui était ça. Je connais qui a fait le petit pain frit. Amen. Tout ça là, je connais. Je connais qui a fait un gros trou dans mon soulier, je me mange, peinant. Dès l'eau est rentrée, quand on rentre la cage, je me mets sec pour demain, on va à l'école. Mon ancien, je connais qui m'a fait dire. Tout la même. Je connais lever grand matin, 5h du matin, à le travail, de bazar, parler de légumes, mais juste pour capable de faire un peu de sport. Je connais que ça veut dire, ça m'a fait là. À cause ça, qu'il saurait mon petit autre fois. À cause ça, qu'il me sent pitié pour ça m'a donné ça, cause de des blocs. Amen. Y'en vient? À cause ça, je me sens pitié. Tu veux les blocs? Lever. Amen. Frère, les larmes ferment un bâtiment batté. Parce que la vie va pour faire un non ni. Qui est facile. La vie est difficile. Bon. T'es d'accord? Il n'a qu'à pas d'accord avec moi. Alors, maintenant, je veux comprendre. Je veux comprendre. Je veux comprendre quelque chose. David est pressé. David est quelque part oppressé par la rébellion de ce garçon. Et tu fais sortir et tu peux aller. Et ce qui a envie de connaître comment David tu fais sentir à ce moment-là, je vais aller ouvrir le livre de Somme, chapitre 3.
Si vous trouvez que David finit qu'un psaume complet, qu'il peut être révélé, ce garçon est révélé envers lui. Écris-lui ce qu'il y a lié à la maison. Le livre de Psaume, chapitre 3, lui montrait l'agonie qui tira dans ce déguerre-là et sur la prière qu'il fit faire envers mon Dieu. Amen. Maintenant, à cause de cela, donne-moi bien, ça je suis capable d'écrire. Les bons sont capables d'aider les autres, mais c'est bon de nous apprendre à mettre ça avant ça. C'est bon? Allez, let's go now. Maintenant, moi j'ai envie aujourd'hui d'expliquer mes frères, mais qui fait quoi ça? Beaucoup de fois d'entre nous, nous capables dans le passé, nous faire une petite chose qui personne ne va nous enseigner. Mais ce qui nous peut enseigner aujourd'hui, c'est une petite chose qui, quelque part, nous vivons nous-mêmes. C'est la même? Et aujourd'hui, nous avons envie de porter à ça pour être capable de comprendre. Mais avant qu'il m'aille de l'avant, nous avons guetté qu'il a la Bible tiers. Mais tu dis la Bible tiers. Mon frère avec eux. David, dans ce moment-là, il peut sortir, il peut aller. Il a ce problème, cette circonstance, cette situation. Quand il peut retourner, c'est dans ce problème, cette circonstance, cette situation. Il est important de savoir qu'il vous est qu'on gère sa manque de choses. Il est important aussi de savoir qu'il quand vous mettez néné dans un fait qui ne concerne nous, ou pour arriver à un moment que vous perdez la force pour vous-même. Frère, qui vous pouvez dire? C'est bon, un petit exemple. Man sert combien de fois, je ne dire, moi je ne peux pas dire, vous mangez brûlé. Parlez-moi travers. Mais frère, mais qui fait vous dire ça? Pose-vous même question, mais qui fait vous mangez brûlé? Là, on va trouver où tu peux les affaires voisins. Think about it. Je t'amène. Eh bien. Nous avons dit la Bible. Nous avons la Bible. Pour vous baser sur la parole de Dieu. Amen. Proverbe 26, verset 7. On ouvre cela. Proverbe 26, verset 7. Et ton camarade t'a dit, essaie de comprendre ce qu'il faut parler que la parole est inoffensive. Faut parler, donne-moi bien, une fois que tu arrives ça en Angleterre, faut parler que ça est répété dans notre pays. Une fois, mais ça n'a pas pour encourager ou faire ça, mais ça n'a pas pour aider pour comprendre. Une fois, tu as une madame qui m'a dit, tu peux tuiler de haut dans l'Angleterre. Tout le monde est loup pour la fenêtre, personne ne va intervenir. Pas ça, contexte ça qui nous veut brûcher aussi. Je vais montrer comment mettre balance pour être capable d'être un habit balancé. Amen. Laisse-moi finir. Partir aucune conclusion, laisse-nous finir le message pour être capable de comprendre. Vous êtes prêts? Le livre de Proverbe 26, verset 17. Comme celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi est un passant qui s'irrite par une querelle où il n'y a que faire. La version anglaise, il détend comme ça, pareil comme un démon. Il tape un tutu sur les oreilles, il risait. C'est un démon qui nous rentre dans des affaires qui ne concernent pas. Je peux comprendre moi? Mais quand on brise un tutu sur les oreilles, qui arrive? Qui est fait? Mais comment est-ce qu'on est maudit? On est arrivé dans la vie, on a un souris, pardonne-moi pour le mot. On a un calotte, on va vous servir le mot en bas. Je peux comprendre moi? Il y a un bon mari dans le monde. On a un calotte pour n'en nier parce qu'on rentre dans des affaires qui ne concernent pas. Ça qui me fait vous dire. Oui. Bon, bien servir la sagesse, hein? C'est la sagesse. Parce que pourquoi? Ah! Je connais combien de personnes disent les œufs d'un petit moment. Quand on va quoi faire, ou bien tout information qui est là dans l'autre. Yes. Est-ce qu'il vous trouve convenable pour poser une question, pas répondre? Par six parmi les chrétiens, et vous donnez tout ça. Le livre de Matthieu, chapitre 7, pas six personnes. Tu peux retirer la paille. De lier ton camarade quand toi tu es un gros poteau.
pas même néné dans affaire par conseil. C'est bon. Bon, vous donne l'explication là. Demande 2 minutes. 1 Thessaloniciens 4, verset 11 et 12. Dieu vous a grandi. Amen. Bon, vous expliquer à la fin, vous pouvez comprendre qui faire. Nous vous donnons la raison spécifique. Pourquoi? Il est important. Vous croyez qu'il est important? 1 Thessaloniciens 4, verset 11 à 12. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille et à vous occuper des affaires des autres et à travailler de vous-même. Je ne sais pas pourquoi vous allez ouvrir, mais tous les autres, je vais gagner. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 11 et 12. I want you to read it. Nous basons sur la parole. Si vous avez besoin d'attendre ce qu'il y a dans le cœur, il n'y a pas de problème. Le désir de notre cœur, c'est qu'ils sortent là, comprendre. Après ça, nous donne l'explication. Pourquoi ne pas faire? Et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Vous avez dit? Et à vous occuper des affaires des autres. De vos propres affaires. Qui s'en a fini de dire ça? La Bible. C'est qui s'en a fini de dire ça? Paul finit de dire ça à l'église de Thessalonique. Il finit de dire ça. De veiller aux propres affaires et à travailler de vos mains. Mais pourquoi, frère? Quelle est la raison de le faire? Il y a 2 raisons qui ne voient pas. Pour terminer dans 5 minutes, suivez-moi, c'est. Il y a 2 raisons. C'est bon, vous parlez avec moi là, restez avec moi. Ça vous l'a bien pourtant. Et puis, nous vous prenons tout ce qui nous apprend, nous pouvons voir ça dans l'histoire de David et nous vous aider comment ça vous aide nous beaucoup à faire. Amen. Premièrement, nous disons premièrement. Premièrement. Quand nous occupons quelque chose qui ne pas concerne nous. Premièrement, nous disons premier. Numéro 1. Quand on occupe quelque chose qui n'est pas concerné, nous, mon père dit que la force pour régler le problème là-bas, quand on arrive à tout, mon père n'a rien à force. Numéro 1. Vous êtes d'accord? Amen. Premier, donne-moi bien. Mon père cause beaucoup, beaucoup, et sa nouvelle génération est concernée. Mon père cause tout le monde. Pas ferme sur l'équerre, ouvert sur l'équerre. Que la parole ne pas être offensante, mais que la parole dit libérer. Jésus dit que vous connaissez. Et qui la vérité pour faire? Affranchir. Maintenant, beaucoup de fois, arrive un certain moment de notre vie, je explique-le. Suis-moi, guette-moi, je vous montre ce truc. Je connais quand je suis levé grand matin, je n'ai quelque chose à faire, journée. Tout le monde a une certaine conscience d'énergie nous-mêmes. Ok? Nous manger, nous boire, nous avons l'énergie. À ce temps, l'énergie-là, on a une bouteille. Pour prendre l'exemple, ça a une bouteille d'énergie. Bon Dieu, de toute sa énergie-là, pour toute une journée. Tout le monde, vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, dans sa bouteille d'énergie qui vont dire de moi, là, si vous servez la moitié là-dedans pour faire pas là. Soit pour veiller les affaires, camarades. Ou nous rentre dans le bis, ou nous rentre dans le mess, ou rentre dans le travail, ou il est. On finit, ramasse tout ça là. On finit la moitié si ça ne fait pas là. Parce que combien vous restez? La moitié. La moitié là, quand vous servez, il arrive tantôt. Là, quand vous venez de l'église, vous résistez 10% de vos batteries. Là, quand on rentre dans l'église, vous louez pas adorer ou la main d'eau. Là, quand on est là pour louer, pas adorer, pas capable, là, on met les prédications, là, vous dormez. I'm speaking the truth, moi, vous payez à moi. Maintenant, sa même histoire-là, nous retournons pas derrière. On gagne une bouteille, des mots, on gagne une bouteille d'énergie. On ramasse ou la moitié pour faire pas là. Arrive au milieu de la journée, on comptait qu'on arrive tantôt. Pour remplir l'énergie, pour capable même prier pour faire manger les autres affaires. Pas oublier, donne-moi bien, combien de gens d'accord avec moi, quand on trappe un téléphone, on met côté aux oreilles, un démon est rempli ou la tête. Quand on coupe le téléphone, là, remorqué, je peux dire moi je même, vous sentez vous faible. C'est qui va la gommer Dieu. Vous sentez vous même pour me dire abatte. Vous sentez vous même pour me dire sérieuse. Payant la force. Mon cas, deuxième affaire. Suis-moi bien. Ouvert ou la fenêtre, ou rentre dans affaire par conscience. Ou peut-être ou voisin. Donc, ou peut-être ou voisin, ou peut faire A, ou peut faire B, ou peut faire C, quand, ou même ou tu as servi ça l'étant là, pour servir pour oui. Je peux comprendre moi-même. Oui. Pas bien placard. Ou pas monsieur, amène-moi.
Mais c'est moi, mon vie, mais sans en passer. Et la petite chose, c'est qu'il nous faisait une limite pour faire. Frère, avec qui vous pouvez causer? On va regarder David. Il y a dans ce problème, cette circonstance, cette rébellion, ce corps, son père révélé. X filmine, nous a ennemi. Il dit à lui, Marie, tu ne connais pas, mais si vos chefs, tu as tes affaires, tes affaires. Pas un truc pour toi. Il y a allez, vous avez besoin de l'énergie, la bêta. Vous avez besoin de la force, là. Allez, allez, prends. Quand il peut retourner, le temps vient à ses. Le temps vient à ses. Tu ne pas connaître toi. Si par une fait ça, au moins il fait ça, il fait ça, au moins il fait ça, au moins. Get la Bible dit, it is written in your word. Qui te l'est mauvais? Portage la moitié. Et la blâme. Amen. Portage la moitié. Get it sous ton bifé. Amen, amen. Mon allez, c'est quelque chose d'important pour faire. Amen. Tu connais quelque chose d'important pour faire? Beaucoup qui viennent get pour les autres quand se salue même en danger. Mon cas franc, mon mot de séval doit être ses affaires. Depuis longtemps, mon grandit dans l'église. Mon trouve quelque chose. Mon commence ministère à 9 ans. Mon grandit, mon trouve beaucoup quelque chose. Mais mon trouve beaucoup pas là d'être à l'église. Amen. Zestier ça. L'église avancée en double et en nombre. Et ça, du monde qui fait pas là, mon trouve cette histoire. Bon, pour raconter cette histoire là. Jamais je ne réussis dans cette vie. Arrêtez. Gêtez-vous comme un pâté, tout comme un pâté. Des frères, sœurs, vos pensées, nous, tout nous arrête. Allez, gêtez-vous bien. C'est la même. C'est la même l'énergie qui vous dit pour la cause X, Y, Z. Pas oublier, il y a des mots tout en rappel. Jamais oublier ça. La médisance et la calomnie, c'est un péché. Médire vos causes de mal, mon dimon. Calomnie, vous dire quelque chose qui jamais vient d'exister dans sa dimon. Ce sont des péchés que Dieu aille. Amen. C'est ta même. Amen. Maintenant, quand David vient trouver ça, vient trouver ça, il y a une petite chose qui n'arrivait. Lui connaît qu'il n'est pas bizarrement dans quelque chose qui paraissait. Amen. Malgré que tu penses à Solata. Tu dis balance. Balance. Ça balance ça qui nous a connu mettre à ce terme. Oui. Au vino là. Deuxième, le deuxième numéro D. Oui. Moi terminé. Et là, c'est D. Premier, c'est. Eh, pas faire que moi des chrétiens, pas ça pour oublier là. Premier, c'est. God de l'énergie. Un appel dit God de l'énergie. Tu es d'accord avec moi? Amen. Deuxième, mon apprenti avec un proverbe australien. Maintenant qu'on sait pas qu'il y a, parce qu'il kiffe, dans l'Australie, maintenant qu'il invente des affaires. Mon aborigène qui descend et dans ça. Après ça, un boomerang. Quand moi voyais un boomerang, il roulait, il faisait tous les rébines. C'est ça même? What goes around comes around. Mets ça bien dans la tête, hein? Mets ça dans la tête. C'est qui? On laisse aller pour répine envers vous. M'expliquer. Qui ça proverbe là, mais vous dire. Il y a une histoire commune qui existait en Australie. Une fois, il y a une madame, il y a 5 TV. Comment tu dis, il y a 5 TV. Madame, 5 TV, il était bien content pour prendre son néné, mais dans un fait, tu dis. Il était le talk of the town. Il y a une radio Pékin. Libini, il met la radio, grand matin, on tout à fait tout du monde. Et il donne grand conseil. Il est content de veiller qui du monde retourne à case, un petit fille retourne à case avec ce ballon gonflé. Il est content, Ali. Quand il trouve ça, Libini commence à poser la question. Tu ne pas connaître ça, nan, alors, à l'autre, nan, nan, nan. Il dit ça, il est content ça, il est extra content ça. What goes around comes around. Se sanctifie par une fin morier. Tous les cinq fins ramassés qui se maman fait faire. Au moins, je garde un amen, non? Non, pas dire amen. Attends. Qui fait, hein?
Parce que quand vous pouvez attendre les autres tomber, quelque chose arriver, vous comptez mettre dans vos affaires, dit monde, vous pouvez dire où les temps là-bas quand vous pouvez garder deux enfants. Ça, premier problème. Deuxième problème, il est écrit dans la parole de Dieu. Mon coulou t'en affaire, je dis pas là. Mon coulou dit, au nom de Jésus-Christ. Oui. La parole de Dieu, c'est comme ça, on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme vient s'aimer, il faut récolter. Tu n'es pas capable de s'aimer pour d'amour, pas ta fille qui m'a poussé. Pas attendre, ça m'a fait là. Maintenant, tu bien comprends, en tant qu'enfant bondier, tu balances ce que tu es là pour faire. Nous parlons de l'histoire de David pour comprendre ce balance. Demandez moi mon dans la même cause avec vous. Il est important de savoir, connaître qui vous peut faire, qui ou pas peut faire. Si voisin là, l'autre côté, écoute-moi, il y a des hommes à faire, vous pouvez expliquer, frère, vos familles, ça, oui, vous êtes rentré. Écoute-moi, laisse-moi finir mon message avant. Mais il n'y a pas quand même du monde, il y a un étranger de l'autre côté, si même. Vous pouvez guetter ce passe au bichet pour en dessous dans ce lacard, vous êtes madame là pour battre. Mais qui est le problème là-dedans, il est pose-moi, qui est le problème là-dedans, il est amen, amen. Ou bien t'as un voisin dans le coin cimé là-bas, t'étais quand qui s'en allait pour mourir. Quand tu as un problème là-dedans? Vous avez un problème, vous pardonnez-moi, vous avez 5 ou 5 ans, vous pensez vous avez un problème mental. Si, parce que qui fait frère, vous êtes dame comme ça, vous êtes la lumière du monde. Amen. Papa dîner, l'eau la vérité. Non, mais c'est dire. Tu n'as pas qu'à la lumière du monde, tu n'as la mort en toi. 1 Jean chapitre, l'évangile, non, l'épître de Jean, Jean, 1 Jean, il dit à toi comme cela, tu n'as pas qu'à dire de la lumière quand tu n'as mort en toi. Elle dit, tu n'as pas qu'à dire, il est rempli du Saint-Esprit, il ne fait pas l'amour, pas pour moi, ça pour l'amour, pas pour accepter ça. Mais pas pour accepter ça. Ou qu'à monter, ou qu'à dire, mon frère, vous mettez tout en maman la cause, il dit, il est rempli du Saint-Esprit, non. Comment se fait-il le livre de Jacques chapitre 3 dit à nous comme cela, ça a même la saute la louange, ça a même la tout maudit de camarade. Comment nous sommes des enfants de Dieu, soyons des enfants de Dieu. Amen. Soyons enfants de Dieu, peuple de Dieu. Je connais un type pas là qui a détruit un navire du monde. Un petit mouillou mouillou qui vous dit, et là, tu n'as pas parlé de l'église du tout. Qui s'en a pas canté pour ça, ça pose la question. C'est un qui s'est au milieu de nous, y compris par moi-même, s'il n'est pas au fait de mettre des c'est un Jésus qui nous dit. Parfois, Jésus qui nous dit. Vous voyez que Jésus qui nous dit, ça. Et j'ai dit, c'est lui qui prend le PC à vous, première pièce. Première pierre, la porte, pas pièce. Envoie la première pierre. Tu ne dois pas aller. Mais la personne. Si celui qui t'y vient ziser, pas ziser, mais qui fait nous ziser, nous? Amen. Il n'est pas dit, dans le droit total, il est le fils de Dieu, il dit, zise, ça, madame, là, il commet l'adultère. S'il n'est pas ziser, mais qui fait nous ziser, nous? Peuple de Dieu, moi je suis sévère, je dis. Arrête tout le temps, je dis moi. Oui. Mais c'est moi, mon envie de dire quelque chose. Pour l'amour de Dieu, nous devons nous mettre en balance avec quelque chose. Amen. Frère, ou bien la famille, ou bien la camarade, oui, moi, non, tout ça. Mais on va regarder qui d'habitude. Amen. Conclusion. Pas avec un K, mais avec un C. Qui conseille, frère, ou de nous autres? Selon la parole de Dieu. Qui conseille ou de nous? Et le conseil, c'est être comme un David. Oui. Les deux conseils, ils permettent de se nainer là-dedans, puis tout seul les deux y aller. Amen. Moi, je vais pas de conseil. Moi, la famille, moi aussi, moi, la petite chose, nous venons nous expliquer. Nous dire cette petite chose. Nous montrer ce. Mais c'est moi, ne pas venir prendre cette affaire. Mon médecin, nous, moi, la tête.
Ça se tient si vous prenez tout à fait tout du monde dans l'endroit où vous la tête qui parle. Mettez une balance, vous avez dit être égoïste. Mais c'est moi, il est important de savoir, peuple de Dieu, ce qu'il a envie de faire. Amen. Et il y a un problème. Ça gosse, tu les manges à la table, côté lit, l'icône gère la situation. Il est important aussi de gérer la situation. Je termine. Amen. Beaucoup d'autres étaient qu'ils avaient fini une fois. Il a terminé. Et mon pensée, Dieu, par contre, le désir de te guérir. Amen. Amen. Moi, terminé. Mais aujourd'hui, je ne veux pas être méchant. Dieu dépose ça dans mon équerre. Moi, pas mon équerre. I don't know. Moi, pas mon beaucoup de choses qui ne pas mon équerre. S'obéir. Mais il y a pourtant aujourd'hui, peuple de Dieu, pas né dans la vie de tout le monde. Amen. Arrêtez. Parce que quand vous n'êtes pour coincer, même des divorcés vont vous tirer. Parce que c'est où qui n'a mis où néné. Où néné pour où? Où l'esprit là? Si vous prenez, vous mettez dans la vie des autres, vous dites pour coincer. Et quand vous coincez, vous gagnez 10 ans. Les lèvres d'or parce que vous gagnez canotte, vous gagnez haine, pas dire. Et il n'est pas trop convenable pour. Les lèvres, vous trouvez famille ignore où. Vous trouvez famille met tout de côté. Vous prenez l'exemple, vous terminez. Si. A, B, C, D, papé, K, contrôle sur famille, mais où Superman, ou? Superman? Un frère qui baisse sa tête. Ou un Superwoman, ou? Comprends. Dans l'amour. Oui. Et dans la paix. Amen. Moi, je ne dis pas que tu amen. Mais c'est moi, je ça reste ou l'équerre. Amen. Qui vous n'aime pas sauf ça. Parce que ça, dernier temps là, je viens observer vos saluts. Et vous terminez de quitter chose pour dire ça. Pas oublier que le diable est rusé. Frère, qui vous n'a pas dire? Je vous donne un témoignage d'un petit qu'un. Ça pouvait beaucoup se penser. Cette personne qui est dans une situation que divine vraiment. Déboussolé, quand il y a un problème, il déroule dans la case. Et cette personne, quand elle arrive, n'arrive à cette année, la personne de côté peut provoquer. Quand la personne provoque, il trappe sur les pieds, il trappe, il dit, on a une pile. Il trappe, il pile. Si Dieu va t'avoir un kiken dans sa l'étang là, pour arrêter sa dîme là, comment il peut attraper pour piler, pourquoi avec ce collège, pour attraper pour rincer en même coup. Et ça coule là, tu peux fatal. Dieu a voyé du monde, il n'est pas fait ça dans un moment convenu, il n'est qu'à arrêter. Quand il a réfléchi, quand il fait poser la question, il n'a rien à faire. Et c'est un moment-là, mon ne pas connaître qui est capable d'arriver. Il est trop sain. Et il y a certaines affaires qui ne voudraient même pas après. Pas après. Parce qu'il pouvait la porte. Et ça la porte quand il pouvait le diable pour gagner. C'est bon. Oui. Ok. C'est l'amour de mon équerre pour y porter à la vie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut se mettre debout. Amen. On va dire Dieu merci.